Téléspectateurs, téléspectatrices, nous trouvons là dans Scalzi Park, dans Stanford, Connecticut, sous terrain baseball qui n'est pas là, parce que nous allons faire interview avec une grosse personnalité. C'est une personne qui vraiment décidé pour permettre à ce que jeunes en Haïti capable de joindre une autre alternative, parce que nous connaissons que le football, c'est le sport roi en Haïti. Mais compte tenu de l'évolution baseball là, et pays d'Haïti, il est entouré de pays qui fait baseball, notamment de Porto Rico, Saint-Domingue qui est près nous là, nous avons Cuba. Et aux États-Unis, c'est un gros marché de baseball. Eh bien, Dr. Semou Kofi, lui-même qui est un membre fondateur de l'Académie de baseball en Haïti, eh bien, nous pourrons le rencontrer avec lui. Ça fait 3 ans, il était dans HTN, côté que l'étape introduit à la communauté haïtienne de Stanford, de Norwalk, de Bridgeport, en général de Connecticut et à travers le monde. Eh bien, importance en baseball et qui gagnait à travers le monde ou bien sur le plan marketing, et qui signification implémentation et baseball en Haïti. Alors c'est comme ça, 3 ans après, nous rencontrons avec elle, et bien comme ça, nous allons faire un petit parler avec lui. Nous allons parler nous de l'évolution baseball là en Haïti, et plus particulièrement de l'Académie Baseball, Académie Internationale Baseball, côté que lui-même, c'est un membre fondateur. N'a pas une pause et n'a pas tourné. Bon, téléspectateurs, téléspectatrices, alors nous sommes avec nous là, Dr. Kofi, membre fondateur Académie Baseball en Haïti. Alors, comment est-ce? Nous saluons M. Emmanuel, nous en forme, grâce à Dieu, nous bien. Alors, est-ce que 3 ans de cela, où tu es dans HTN, où tu as parlé de baseball là, est-ce qu'on est capable, eh bien, parler nous 3 ans après, comment est le baseball là, plus particulièrement l'Académie baseball là, évolue en Haïti? Bon, 3 ans après, nous avons progrès à simple vue, nous avons regardé qu'en peu de temps, l'Académie a gagné l'école qui inauguré la montagne Jacques Mel. Tout de suite après, nous avons inauguré l'école Wanamet. Et nous en phase pour nous inaugurer deux écoles, une au Cap Haïtien et une troisième Cabaret. Et ensuite, en Florida, la semaine Cap Vini, la semaine 21 novembre, là, entraînement va commencer dans Florida. Bon, est-ce que vous êtes satisfait de l'accueil que l'Académie recevoir un peu partout? Bon, vraiment, nous sommes très contents parce que tout côté nous passé, nous avons une grande attente pour nous porter l'autre service dans la communauté. Et en Haïti, dans le dernier moment, ça là, nous gardons que un peu partout, que c'est dans la zone nord-ouest, que c'est dans la zone sud, que c'est dans la zone plateau central, nous gagnons plusieurs comités qui montent, qui dans l'attente, puisque nous n'avons pas qu'à monter toute l'école en même temps, en d'autres termes, faire fonctionner en même temps, mais déjà une structure en place. Alors, en termes de difficultés, qui genre de difficultés ont été rencontrées lorsque vous avez parlé avec, parce que vous dites Cabaret, plusieurs zones que vous allez, mais qui genre de difficultés ont été rencontrées pour être capable d'implanter eh bien l'Académie dans la zone Zayo? La plus grosse difficulté au départ, c'est puisque son discipline qui est nouvelle, donc il y a une certaine réticence. C'est normal, humain, toujours réfractaire à tout ça qui est nouveau. Mais au fur et à mesure que vous commencez à suivre évolution baseball là et nous-mêmes toute constance nous gagnons dans toute ça n'a fait yo, ça vient bail mon confiance et ça vient permettre que le travail là vienne plus facile pour nous qu'on y a. Oui, nous connaissons que première implémentation académique c'était dans zone Wanamet, nous capable considérer que Wanamet près République Dominicaine, mais qu'on y a là projet où c'est étendre et académique à travers le pays. Alors est-ce que y a une infrastructure pour ça, surtout et entraîneur, comment on peut arranger pour permettre à ce que eh bien, toute zone ça yo gagne moun qui est capable d'entraîner les jeunes parce que son sport nouveau. Faut nous dire que République Dominicaine pour ton gros support, tout entraîneur nous c'est presque dominicain à l'exception de deux qui haïtiens dominicains et déjà
Nous gagnons Porto Rico tout, nous avons une brigade d'entraîneurs qui est disponible pour prêter la main forte au fur et à mesure que l'Académie a implanté en Haïti. Et nous croyons que dans 10 ans encore, le baseball a occupé une bonne place en Haïti et nous, ça permet que la jeunesse là ait une option de venir. Et parce que nous voyons comment la situation est, c'est parce que pas une activité sportive qui est étendue à tous les niveaux et qui fait la jeunesse là ont des gens désorientés. Nous avons profité pour nous dire que c'est pour une raison pour rentrer dans la violence. Alors nous connaissons que vous avez une idée, ou c'est un monde qui sillonne. Qui fait un pile temps à Porto Rico, ou si on est République Dominicaine tout. Alors, là que l'idée a été germée la caillou, alors, comment collègues dans Porto Rico, dans Saint-Domingue, t'es accueilli nouvelle ça? C'est une nouvelle qui a eu une bonne réception parce que un monde qui vit en République Dominicaine, que c'est haïtien ou bien vit Porto Rico, plus ou moins, ils ont une idée de ça qui est baseball. Donc c'est ça que fait avec l'équipe ça, il était facile pour nous travailler et avec l'équipe Florida tout qui nous ensemble qui permet que baseball là arrive en Haïti et vraiment nous ca dit son grande satisfaction pour nous voir comment Timonio très intéressé surtout dans Waname qui étonne nous, ti monsieur dit au même faut dégager ou faut signer un contrat faut millionnaire tout. Ouais, en tout cas, c'est vraiment intéressant parce que et nous connaissons que grand pile l'argent que baseball a généré. Alors, l'Académie a gagné 3 ans d'existence. Est-ce qu'on est capable de parler nous en un mot affiliation Académie sur le plan national en parlant d'Haïti et sur le plan international? Académie a enregistré Porto Rico en 2017 et nous affiliés à COCABE qui est la Confédération caribéenne de baseball. Et participation à Haïti dans 2 derniers tournois en 2018 et 2019 en République Dominicaine permet que Haïti est classé parmi les pays qui a joué baseball mondialement. Actuellement, nous occupons 83e place à l'échelle mondiale et c'est grâce à l'Académie qui a représenté Haïti dans 2 dernières compétitions. Et ses performances joueurs qui, selon le comité international, estime que Haïti remplit toutes conditions qui fait que jodi a la Haïti figuré dans classification mondiale. Alors, mais une bagarre que moi remarqué c'est que Académie pas seulement rété dans affaire baseball, gè l'autre activité et qui en rapport avec la santé et que nous fait est-ce qu'on capable parler pour téléspectateurs de ça. Humain normalement nous n'a un composant parce que pas seulement ou un aspect physique et au gain de l'autre aspect dans ou même encore. Ça veut dire que l'environnement que vous vivez avec l'IA est fondamental dans le bon fonctionnement et santé est important pour vivre. C'est la raison pour laquelle nous estimons que Timonio bien bonheur, nous commençons la question sur le plan hygiénique. Et Dr Lamar, qui est lui-même chef médical académien, au cas où est que nous fait près de 22 vidéos sous question pandémie, et ce n'est pas seulement ça. Actuellement, nous organisons 3 cliniques mobiles parce que la santé au monde est importante et si pour jouer, pour faire sport, il faut en santé. Et si l'espace que vous avez évolué n'est pas en santé, si l'espace n'est pas sain et si vous-même pas prendre soin de corps, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif. En d'autres termes, c'est toute une structure complexe liée. Donc c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas prendre une pour quitter l'autre. Environnement important en vie, santé en lui-même important. Donc, c'est de très jeune âge, n'a expliqué comment pour comporter yo, comment pour yo, qui attitude pour gagner, pour protéger tête yo, parce que on humain sont être précieux, sacré. Faut nous-mêmes apprendre à mettre tête nous, protéger tête nous. Alors, vous parlez de clinique mobile là. Est-ce qu'on est capable de donner plus de détails et dans quelle zone il était fait et qui et comment ça t'est? Nous réalisons 3 cliniques mobiles, nous réalisons une cabaret et nous réalisons une au Cap Haïtien et troisième là Tour du Nord. Nous faisons dire que nous avons une équipe médicale très expérimentée et travaille que nous uniquement haïtien ou bien uniquement haïtien et ça fait nous plaisir et tout le monde qui tout patient nous traitons avec respect et dignité. C'est ça qui fait honneur nous et c'est déjà n'a dit le monde. Et l'expérience que nous avons fait aujourd'hui, nous continuons à faire l'année prochaine. Et à partir de
août, nous avons un contingent médical qui est composé de n'importe 50 médecins haïtiens pour la plupart. Contingent médical, ça, nous avons dit haut et fort, nous avons disponible et quelle que soit catastrophe naturelle qui passe en Haïti, en moins de 6 heures de temps, l'académien a un agent médical sur place. Et contingent médical, ça, tout est disponible pour Haïti, quelle que soit catastrophe qui passe dans le monde entier. Haïti a disposé d'un contingent médical qui est arrivé dans n'importe quoi sur la terre en 24 heures de temps. Wow. En tout cas, téléspectateurs, ça c'est une nouvelle qui est très très réconfortante et d'ores et déjà, nous dit donc la merci du fait que non seulement pendant que l'a évolué aux États-Unis, mais le penser avec Haïti a contribué à développement pays d'Haïti. Alors, docteur Kofi, ce qui projet académien a travaillé actuellement? Actuellement, nous avons des projets à court, moyen et long terme. Mais à court terme, nous avons un musée qui va inaugurer le 7 août 2021. Déjà, nous invitons le monde, nous invitons tout Haïtien qui vit à l'étranger à mettre l'agenda. Déjà, demander côté de notre travail pour qu'on ait 2 semaines, pour dernière semaine mois de juillet et première semaine mois d'août, rendez-vous c'est Haïti. Nous allons inaugurer le premier musée des sports et c'est là tout. Nous allons honorer tout athlète, tout musicien qui t'est fait honneur pays d'Haïti. C'est un peu partout. Mais forme du musée à Plat Montagne, Jacmel, et qui a 30 minutes de ville Jacmel, et n'a profité occasion pour autorité locale qui a profité passer tracteur dans route là pour nous et centre de santé qui est dans zone dans tout qui la quoi côté que nous allons recevoir près de 6 à 7 000 invités. Nous pensons que l'important tout pour autorité yo t'a passé maintenant centre de santé a, pour si tu as un problème pour au moins mon yote ka joindre premier soin. Alors, sous ta petite parole ou t'as voulu lancer, ou message ou t'as voulu bail à la communauté haïtienne, qui est gardé actuellement là, et qui s'aldaye? D'abord, je remercie M. Emmanuel et je remercie deux petites filles qui accompagnent lui, qui viennent là ensemble avec nous pour interviewer et y a en Haïti avec nous. Et nous dit communauté haïtienne qui Connecticut et un peu partout, pas demander ça Haïti qu'a fait pour nous, mais demander plutôt ça nous qu'a fait pour Haïti. Alors, docteur, nous vous remercions. Et si toutefois, il y a des gens qui veulent entrer en contact avec vous personnellement ou bien avec l'académie, par qui moyen vous êtes capable de faire ça? Il y a un moyen qui est sûr, vous êtes capable d'aller sur le website nous et pour toute l'autre information. Et moi-même, vous pouvez contacter moi dans 939-405-8615. Mais il est préférable que vous un texte pour moi. 939-405-8615. Alors, sous notre téléspectateur, nous disons donc là merci et nous disons, nous prenons une petite pause et nous tournons.